Salut les filles, les garçons, salut Tini. Salut Sissi. J'espère que tu vas bien. En forme. Vous aussi à la maison, vous vous souvenez, il y a un an, on vous avait eu avec le bikini, avec Tini, et pourtant vous aviez été nombreux à le réclamer suite à ce poisson d'avril, puisque c'était le 1er avril. Absolument, j'étais choqué de l'engouement de tout le monde, donc je me suis dit que cette année, il fallait le faire quand même. Là, c'était l'occasion ou jamais pour les 10 ans bikini avec Tini. Aujourd'hui, Tini va vous proposer une séance, tu vas nous en dire plus d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance, les filles, genre 15 minutes full body, parfait pour travailler tout son corps en 15 minutes. Tout va travailler, vous allez kiffer. Ça va être rapide, express et efficace. Abdos, booty, legs et un petit peu de haut du corps, mais vite fait, bien fait, vous allez voir, vous allez surkiffer. On commence? Allez, on démarre sur des squats plus talons fesses. 3, 2, 1, let's go. On descend en squat et on touche son talon avec sa fesse, tout simplement. Ça fait 30 secondes. Coco, hein. Ah oui, c'est très coco, mais ça, je l'ai pris directement dans le grimoire de Sissi. Je voulais pas trop vous choquer aujourd'hui, les filles de Jean. C'est vrai qu'on reste dans les bons basiques, là. Yes. Mais j'aime bien cet exercice, en vrai. Et il commence bien la séance, disons. Là, tu peux rajouter un peu de, tu vois, un peu Allez, de style. 3, bah. 2, 1, on va enchaîner sur des ronds de bras. On reste debout et on enchaîne sur des ronds de bras. Ça va, je le fais bien, Sissi? Je te trouve très gracieux. On peut le faire comme ça aussi. Pour gagner en amplitude. Yes. Tout est possible. On va vers l'avant, on va vers l'arrière. Là, le ça but va est chauffer les épaules. Hein. Absolument, on chauffe les épaules, puisqu'on va aller travailler un petit peu quand même vers l'avant. Et ensuite, on va enchaîner sur des walk-ins. Donc on va se mettre au bord de son tapis. On continue de tourner ses bras. 3, 2, 1. Et là, on plie les jambes. On vient chercher devant. Hop. On cogne pas son adversaire. On va essayer de ne pas se casser le pif. Super. On plie les jambes. Hop. On va chercher devant. On pourrait presque se faire un bisou. On est en public quand même. On va essayer de rester professionnel. Super. Allez la team. Yes. Donc on descend tout simplement en planche et on remonte. On va en faire un dernier. Et on remonte. Ouverture de hanche. Ah ça on aime bien ça. Allez. On va à droite. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Donc ça va conclure notre petite partie échauffement. Et ensuite, on va se mettre au sol. Ah, ça on aime bien se mettre au sol. Absolument. Et on va démarrer sur le bloc upper body. Comme ça, on sera débarrassé des filles de genre. Absolument. Vous voyez, j'ai cru comprendre que vous avez des préférences pour les fesses. Allez, on descend et on démarre simplement en gainage. Bon, ça va, il y a quand même des abdos. Oui, ça va. Ça va. Donc tu là, sais comment parler aux filles de genre. Absolument. Donc là, alignement poignée, coup d'épaule. Le buste dans l'alignement bassin avec les chevilles. Rétroversion du bassin. On engage son centre et on reste. Enfin, toute la durée de la séance, on sera donc sur 30 secondes. Absolument. 3, 2, 1. D'ailleurs, on prend les haltères. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Et on enchaîne sur un renegade row. Donc, on vient tirer et on repose et on change de main. Hop. Super. Donc là, on reste bien gainé évidemment. Le bassin reste parallèle au sol. On est fort sur ces trois appuis. Super ça. Et on enchaîne. 30 secondes, c'est rien. Ça, vous pouvez le faire effectivement sans haltère. Gainage à trois pattes, vous connaissez, ça marche aussi très très bien. On enchaîne sur les pompes ici. Donc là, faites comme vous voulez les filles de Jean, sur les mains, sur les genoux ou sur les pieds. Hop. Et on descend, super. Là c'est bien, vous avez les deux options du coup. Absolument. On se chatouille le chignon. Allez, on descend, hop. Et on remonte. On inspire, on souffle, on s'entend. On peut dire que le tien est de plus en plus encombrant quand même. Hein. Parce qu'il y a plus de cheveux que moi bientôt, donc enfin c'est pas bientôt. 3, 2, 1, on reste au sol. On pousse les haltères sur le côté, Superman. Et là, vous le connaissez, hein. On vient monter, hop, et on descend. Si vous voulez, vous pouvez tendre les bras à la maison. Yes. On profite, c'est un peu la récup active, n'est-ce pas? Ouais. Pour le Superman, on aime bien. Ça va alors. Les filles connaissent. Pour l'instant, on est dans la zone connue. On est dans la zone confortable. Mais l'intensité va monter et étrangement. Allez, on repart avec les abdos et le booty. Le gainage. Super ça.
Mais moi je vais utiliser mes haltères du coup puisqu'elles sont là. C'est une très bonne idée. Voilà. Autant en profiter. Yes. Pareil, hein, là on essaie de respirer. Les épaules sont bien activées, on les sent. Là on les sent bien et pourtant on n'a pas fait d'exercice directement lié aux épaules. Hein. Mais on sent que vraiment tout le upper body est engagé. Allez la team, on va enchaîner sur les Renegade Row. On s'installe, on reste en position et c'est parti. Hop. Enchaîner avec le gainage, c'est challengeant là. Je te cache pas que ce deuxième tour... Ah ouais, ouais, il picote. Hein. Il picote bien. Bon, en même temps, on vous l'a promis les filles de genre. 15 minutes c'est rapide, mais ça se doit d'être intense. Hein. Yes. Donc ça s'appelle un échauffement. Hein. Absolument. Je vais laisser les séances picantées de 6. Mais on aime bien. Ouais. Rapide, efficace, n'a pas le time. 3 secondes. Pompe. Ok. Allez, on enchaîne. Let's go. Super ça. Inspire, on souffle. Yes. Hop là. Ah, les pecs. Oh là là. C'est la dernière fois que vous allez faire les pecs de cette séance. Bah tant mieux, ça va pas nous manquer. Hein. Là, je pense que je l'ai lu dans vos pensées, vite genre. Allez, on s'accroche. Super, 3 secondes, on reste au sol, on se positionne. Et Superman. Yes. Ah, ça relâche l'eau du corps un petit peu. Clairement. C'est le dos qui prend le relais. On aura quand même bossé le gainage, le dos, les pecs, les Absolument. Épaules indirectement. C'est pas fini. Tout est passé en revue quand même. Hein. C'est pas fini. Et c'est pas fini évidemment. Mais ce premier bloc, on l'a beaucoup 3 aimé. 3 secondes, je vais vous montrer. On va enchaîner sur Commando Bikini Challenge. Une minute. Ah purée. Allez. Ah ouais, mais je veux notre mort. Ah, attends. Ah purée les filles, on est parti pour une minute de commando. Donc là vous avez toujours l'option genou, je vous le montre évidemment. N'oubliez pas, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout des 60 secondes. Et Tini, franchement... La petite surprise du chef. Ah ouais, ouais. J'étais plus sympa que toi quand même hein, jusqu'à présent. Yes. Allez, on s'accroche. Une minute c'est long, on prend son temps. Ça c'est vraiment l'exo qui te fume le haut du corps. Hein. Tout. Tout y passe et tout trépasse. Les abs aussi d'ailleurs. Hein. Et les abs aussi, ouais. Ça tombe bien parce que ça va nous faire une belle transition. Et... Ouh. Allez. Waouh. Allez, on s'accroche. Moi, j'ai même pas réussi à compter. Hein. Je compte sur vous, les filles de gens, pour nous dire combien vous en avez fait sur les réseaux. Moi, le sang ne monte plus jusqu'au cerveau à ce stade. Allez. Et terminé. Oh my god. Sans transition, on remonte tout de suite. Ouh. Pas de pause. On s'altère, fonte arrière. Ah ouais, on a vraiment pas le time aujourd'hui. Allez, hein. Allez, on change de bras, de jambes. Super. Ouh. Waouh. Allez, la team. Oh là là. Mais on aime bien les séances comme ça. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'avoir rentabilisé ton training. Tout est optimisé. Ah ouais. Allez. On va enchaîner. Pose tes haltères, squat, in-out dynamique. On reste en bas, hop, et on revient. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, yes. Ouh là là, ce bloc n'annonce rien de bon, Tini. Non, non, je confirme. Allez, on s'accroche. Yes. Ça brûle les quads, ça brûle le bouti, même les mollets. Hein. Tout brûle. Tout. Allez, dans 3 secondes, on enchaîne sur une fente. On commence par la jambe droite. Hop, on se met en fente statique. On va venir chercher derrière et devant. Oh mon dieu! Derrière et devant. T'as décidé de nous tuer? On écarte et on resserre. Waouh! Bon, en fait, les filles de Jean, vous l'avez réclamé l'année dernière. Mais je pense que cette année, personne va demander à ce que Tini revienne. On verra, on verra, on verra. Oh la fesse. Oh le quad! Allez, 3 secondes, on va se mettre au sol. Oh my god. Hop, sur une main. Et on va garder la fesse qui a travaillé, la droite du coup. Il est dur hein, cet exercice. Hein. Il est démoniaque. Et c'est drôle parce que je trouve que c'est vachement plus difficile que quand tu fais la même chose allongée. Yes. Ouais, mine de rien, la jambe au sol travaille aussi. Bah ouais. En stabilisation. Puis même sur la fesse quoi. Hein. Oh. C'est... Waouh. 5 secondes. L'amplitude est un peu différente. On va remonter. Haltère en main.
Fente alternée. Aïe, 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 aïe. Let's go. Allez. Super ça. Vous voyez les filles, on essaye d'être efficace sur les transitions. Ouais. Ah ben on l'a dit, on n'a pas le time aujourd'hui. Hein. C'est le training des gens pressés. Donc il faut être pressé dans les transitions. Hein. Yes. Waouh. Allez. Prends son temps. N'oublie pas d'inspirer. 3 secondes. 2. 1. On pose ses charges. Hop. Dynamique. Let's go. On reste léger sur son amorti. Regarde. Exactement. Regarde cette belle mouette à tes côtés, Tini. Magnifique. Elle est pas belle. Bon, on dirait m'envoler. On dirait un vieux goéland tout rabougri. On dirait un petit goéland quand même. Allez. On va enchaîner ensuite sur la fente. Oh, j'ai pas envie de la faire celle-là. Et de l'autre côté. 3, 2, 1. Oh là là. Allez, c'est parti. J'angoisse. Hop, on referme. On ouvre. On ferme. Tout le poids reste bien évidemment sur la jambe qui travaille. La jambe arrière sert d'appui stabilisateur. Moi je suis en prière depuis le début de cet exercice. Waouh! Allez! Super ça! 3 secondes, 2 et on enchaîne sur là, là. La même tout à l'heure. Hop! Et on monte. Super ça! Allez la team! Waouh! On essaie de gagner ses, garder ses alignements. Mine de rien, le cardio. Il monte. Ah ben là, on en profite pour le récupérer un peu, moi je trouve. Hein. Ouais, mais sans arrêt, le cardio monte un peu quand même. Ah bah c'est clair. Hein. C'est parfait. On enchaîne ensuite. On se met sur le dos. Ah. Bloc. Abs. Ça, on aime bien ça. Le meilleur pour la fin. Relevé de buste. C'est hop. Parti. Hey. Super ça. Si vous avez un partenaire, n'hésitez pas. Profitez de ces moments pour vous entraîner ensemble et s'il n'a pas envie, forcez-le. Ou forcez-la. Ou forcez-la, absolument. Ça lui fera du bien. Super. C'est dans son intérêt, c'est ce qu'il faut lui dire. On enchaîne, on reste au sol. Levez de jambe. Oh là là. Vas-y, je passe sur les côtés. Ah, regarde, je me twist. Ah parfait. Bah on va faire comme ça nous. Allez. Hop, oh, histoire de rajouter de la difficulté. Eh oui. Allez. Pourquoi pas? Pourquoi vous avez pas un partenaire? Voyons. Faites comme nous. Ouh. Allez. On inspire. On garde le dos, le bas du dos plaqué. Allez, on va enchaîner. Crunch croisé. On se met en position de chaise. Et on crunch. Yes. Hop là. Super. On croise avec son partenaire. Donc là, coude gauche. Viens chercher. Genou droit. Coude droit, viens chercher genou gauche. Ouais, la coordination un peu ici. Ouais, écoute. Allez. C'est pas trop un problème généralement, ça va non? Ça va très bien. 3, 2, 1, chaise renversée, on garde les jambes. Genou fléchi, hop, et on remonte. Waouh. Ah, c'est mon préf celui-là. Super ça. Ah. Allez, la team, on s'accroche. Ça brûle. C'est normal. On touche à peine les talons sur le sol et on repart. Yes. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Relevé de buste. Oh my god, c'est pas terminé. Et non, c'est pas fini. Vous avez cru que c'était fini? Mais on se rapproche quand même de la fin, yeah. Parce que c'est le dernier bloc. Yes. La fin est proche. Je vois une lumière derrière ta tête, c'est le tunnel peut-être ici. Ah écoute, peut-être. Non. J'ai cru que ça, avait, que ça pouvait être mon intelligence qui brillait. Ou le soleil tout simplement. Allez, on gagne bien les abdos. On enroule la colonne à la descente comme à la montée. On reste au sol. Levé. Deux jambes tendues. Yes. Donc là, vous réglez l'amplitude. Hein. Descendez pas trop bas. Ça sert à rien si vous maîtrisez pas le mouvement. Vous allez juste creuser le dos et vous faire mal. Et là, c'est le moment de tout donner. Hein. Ah oui. Là, c'est le mental. Hein. Allez. S'accroche. Yep. Super ça.
2 secondes. Position de chaise. Range croisé. Hop. Yes. Allez. On croise. Travaille les obliques. Allez. Waouh, waouh, waouh. Allez la team. Inspire, on souffle. 3, 2, waouh, 1. Allez, chaise renversée pour finir. Et c'est le dernier. C'est le dernier, hop. On va terminer après ça, Tini. Wouh. Allez. Travaille vraiment le bas de ses abs. On retient la descente. Waouh, ça brûle. Oh my god. Allez, j'ai les abs qui tétanisent, Tini. Ah, pareil. Aïe, aïe, aïe. Allez. Et c'est la fin, c'est terminé. Bravo les filles de genre, bravo Tini. Waouh, quel training efficace. 15 minutes, tout y est passé. Franchement, il était intense. Hein, j'ai bien kiffé. J'ai kiffé de ouf. J'espère que vous aussi. On vous retrouve bientôt sur YouTube, évidemment. J'espère que vous avez kiffé en tout cas ce bikini avec Sissi et Tini en notre compagnie. Et on vous dit évidemment à très bientôt sur les réseaux sociaux. Bye bye. Ciao, ciao.